Bonjour, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 13h sur True TV, 13h dont voici les titres. Journée de la jeunesse. La commémoration a donné lieu à des échanges directs entre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et les jeunes venus des 13 régions du pays. Le contenu de ces échanges tout à l'heure, donc dans ce 13h. Et puis, évaluation des membres du gouvernement. Samedi dernier, c'était le tour des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la transition digitale et celle chargée des affaires étrangères. Ils ont été jugés sur la mise en œuvre des programmations annuelles 2023, des contrats d'objectifs au 30 juin 2023, des éléments qui ont été jugés satisfaisants. Et enfin, Niger, le nouveau pouvoir annonce des poursuites contre Bazoum pour haute trahison. Le gouvernement nigérien dit avoir réuni les preuves pour le poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, le Burkina Faso, comme les autres pays du monde entier, a commémoré le 12 août dernier la journée internationale de la jeunesse. L'employabilité des jeunes en milieu rural et la lutte contre l'insécurité étaient au centre de la commémoration, qui a été aussi le moment d'échanges directs entre le président de la transition et les jeunes venus des 13 régions du pays. Tant que les jeunes seront sans emploi, ils seront tentés de rejoindre le groupe terroriste, a martelé le chef de l'État, qui est aussi revenu sur les alternatives construites pour cette jeunesse. Le reportage. Cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse a été une occasion pour les jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso d'avoir des échanges directs avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la transition a laissé entendre que le développement du pays repose sur la jeunesse. Il a donc invité cette frange de la population à s'engager davantage à travers des initiatives innovantes pour l'atteinte des objectifs de développement du Burkina Faso. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus, de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Les jeunes ont salué les efforts engagés par le président de la transition pour la sécurisation du pays et pour l'épanouissement de la jeunesse. Ils ont également réaffirmé leur engagement à accompagner la transition, à relever les défis actuels. Je rêve d'un pays totalement souverain, où les jeunes sont épanouis. Nous avons compris votre message et nous sommes déterminés à votre côté jusqu'à la victoire finale. L'ensemble de vos messages nous vont droit au cœur et nous sommes résolument engagés à la promotion d'une jeunesse citoyenne, dynamique, consciente des enjeux actuels du moment et qui lutte pour le retour de la paix et de la sécurité. Les jeunes ont saisi l'occasion pour égrener leurs préoccupations qui tournent autour de l'employabilité, de la formation professionnelle, de l'accès au marché public et au financement pour la mise en œuvre de leurs projets. À ces préoccupations, le chef de l'État, tout en appelant les jeunes à plus de responsabilités, rassure que les solutions viendront de manière progressive. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas manqué de rendre un hommage aux jeunes qui se sont engagés comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Évaluation des ministres par le chef du gouvernement lui-même, Apollinaire Kylem de Tambela. L'exercice a été ouvert vendredi dernier et se tient jusqu'à aujourd'hui même, 14 août. Samedi dernier, les ministres Oliver Rumba, Amina Zerbo et Adjumati Omdiano se sont présentés tour à tour devant le Premier ministre pour faire le point de leur gestion les 6 premiers mois. Les bilans de ces 3 ministres sont jugés satisfaisants. Nous y revenons avec Michael Tougri et Alexis Belemnaba.
Bonsoir. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur, celui de la transition digitale, ainsi que des affaires étrangères étaient face au premier ministre. Ces trois membres de l'exécutif sont venus à leur tour rendre compte de la gestion de leur département. Un bilan à mi-parcours au ministère en charge de la transition digitale et des postes jugé satisfaisant au regard du taux d'exécution du programme. Nous avons pu parcourir cela ensemble et nous avons pu également parler des difficultés que nous avons par rapport à la mise en œuvre de certaines de ces actions-là et avec ces orientations également, comment nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de ces actions pour pouvoir avoir les résultats escomptés d'ici la fin de l'année. Le taux d'exécution pour la cible annuelle est d'environ 45%, voilà, sur un taux estimé à 50% pour la fin de ce second trimestre. Et le taux au niveau de la cible, au niveau du second trimestre, est évalué autour de 90%. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, a aussi présenté le bilan de son département à la date du 31 juin 2023. La ministre des Affaires étrangères, malgré le taux de réalisation du premier semestre estimé à plus de 60%, quelques difficultés, notamment des contextes socio-économiques et de contexte international, ont été un handicap à la mise en œuvre de certaines des activités. Pour le second semestre, Olivia Rwamba entend continuer à faire rayonner la diplomatie burkinabé sur le plan international. C'est un pays de l'Union européenne et même au niveau de certaines zones du monde, on qualifie la transition d'anticonstitutionnelle. Donc cela rend la tâche et l'accomplissement de la mission assez difficile. Mais au regard du taux d'exécution, assez satisfaisant. Et cela dénote en fait de gros efforts qui ont été faits, porter encore haut le flambeau de la nation et en jouant sur la visibilité du Burkina Faso sur l'échiquier international et aussi pouvoir entamer des missions de déconstruction de ce qu'il y a eu comme action de diffamation à l'endroit de notre pays et aussi jouer la carte de la souveraineté pour que l'intérêt national puisse être mis en exergue. Au ministère en charge de l'enseignement supérieur, c'est un bilan satisfaisant des activités menées qui a été présenté au chef du gouvernement. Le défi pour le professeur Adjima Tchombiano, maintenir le cap pour la réalisation de la feuille de route de son département. Il ressort qu'un certain nombre d'activités ont été bien exécutées avec de bons taux d'exécution. Il y en a qui ont déjà été entamées, dont la fin est prévue au troisième, voire le quatrième trimestre. Et je pense que globalement, nous ressortons satisfaits après ces échanges avec Son Excellence, parce que nous avons eu des orientations et aussi des assurances quant à son accompagnement pour pouvoir nous accompagner dans cette mission. Le premier ministre, chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a félicité les ministres pour les résultats atteints dans le cadre de l'évaluation des contrats d'objectifs de ce premier semestre de l'année 2023. Le même samedi, un autre ministre, celui en charge de la fonction publique, Bassolement Bazier, lançait à Ouagadougou les concours directs de la fonction publique burkinabé session 2023. 1 669 736 candidats se disputent 7218 postes. Pour la tenue de ces concours directs, ce sont 70 000 examinateurs qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Retour sur le lancement de samedi dernier. C'est le ministre en charge de la fonction publique qui a lancé les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique. Pour cette année 2023, plus d'un million de candidatures sont enregistrées au concours direct pour 7218 postes à pourvoir. Un nombre de candidatures inférieur à celui de l'année dernière et qui est dû à la mise en place de la nouvelle plateforme e-concours qui permet de filtrer les candidatures, à en croire le ministre en charge de la fonction publique, Bassolement Bazier. Candidature, nous avons pu enregistrer 1 969 736
46 candidatures, ceux qui se sont inscrits. Et vous avez constaté également les 1 969 000 l'année dernière, c'était au-delà de 2 millions. Mais c'est parce que la plateforme qui a été conçue pour que les candidats s'inscrivent a été architecturée de sorte que dès lors que vous ne remplissez pas les conditions d'inscription, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui fait que ça ne vaut pas les 2 millions cette année. Bassolma Bazier rassure que des mesures sont prises pour une bonne administration des épreuves. Il a affirmé que tout acte non conforme à la réglementation sera puni pour garantir la fiabilité des résultats. Donc la présence ici, c'est d'encourager tous les acteurs et réitérer un certain nombre de principes auxquels le gouvernement tient sincèrement. La question de la transparence, la question de l'équité, la question du sérieux dans l'organisation des têtes pour recruter la ressource humaine qui doit servir l'État. Et nous réitérons notre ferme volonté à faire en sorte que toute attitude qui ne serait pas conforme aux règles édictées, l'intéressé, qu'il soit un candidat, qu'il soit un examinateur, un directeur et même un ministre, l'intéressé répondra de ses actes. En raison des difficultés rencontrées lors de la session précédente, une nouvelle plateforme a été mise en place. La plateforme e-concours permettra de faciliter la correction, explique le président du comité de pilotage des concours directs de la fonction publique, Amidou Sawadogo. Il y a une nouvelle plateforme qui a été développée par des compétences à l'interne. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont à côté. S'il y a une difficulté, on peut les checker tout de suite. Ce qui s'est passé l'année dernière, la distance, ça ne permettait pas le fuseau horaire, ça ne permettait pas tout de suite de checker celui qui maîtrisait la plateforme qui a été conçue. On se souvient que nous avons déjà fait les résultats des eaux et forêts, les 2000. C'est la nouvelle plateforme qui a fait et nous espérons que ça va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir très rapidement les résultats. Pour cette session, 127 concours sont prévus et se déroulent dans les 13 chefs-lieux des régions. La composition des épreuves écrites s'étend jusqu'au 27 août 2023. Le Conseil des ministres du 9 août dernier a défini la liste des organes, des tissus, des cellules humaines qui feront désormais l'objet de dons, de prélèvements, de transplantations et de greffes au Burkina Faso. Le rein, le cœur et la cornée feront l'objet désormais de greffes et de transplantations. Qu'en pensent justement les spécialistes de la question? Nous avons approché le chirurgien Julien Sawadogo. Il est par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Il y aurait des inquiétudes, dit-il, sur la transplantation de certains organes. Le détail avec Mamie Triana Kamambou. Il est désormais possible au Burkina Faso de faire le don des organes, des tissus et des cellules humaines. Un décret a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 9 août dernier. Ce décret prend en compte le prélèvement, la transplantation et la greffe de reins, de cœur ainsi que de la cornée. Cette mesure, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des soins, est saluée par le docteur Julien Sawadogo, chirurgien au CHU Yelgado Ouedraogo. Le peuple burkinabé est condamné à aller vers le don d'organes, vers la greffe de certains organes. Sinon, dans un avenir immédiat, nous serons obligés de payer la facture médicale de notre avenir. Et il est indéniable que cette mesure permettra d'aller vers une amélioration constante, une amélioration sur tous les plans de l'offre de soins aux patients burkinabés. La mesure est salutaire, certes, mais cela soulève des inquiétudes. Pour le docteur Julien Sawadogo, il existe déjà des textes au Burkina Faso qui autorisent le prélèvement d'un rein chez un patient vivant donneur et la transplantation de ce rein à un patient receveur. Par contre, pour le cœur, c'est un peu plus délicat selon le chirurgien. Il faut que le gouvernement actualise les textes visant à évoluer vers le don d'organes d'un patient décédé à un patient vivant receveur. Il faudrait qu'on aille vers le don d'un sujet qui, en cas d'accident, ce sujet qui aura préalablement consenti à donner ses organes et qui se sera inscrit sur un registre de donneurs, c'est chez un sujet pareil qu'on peut faire un prélèvement de cœur. C'est la même chose pour la cornée. C'est vrai qu'il y a deux yeux, mais dès qu'on prélève la cornée d'un patient, cet œil-là perd une partie du segment antérieur de son œil, ce qui va induire
une perte de sa vision. Et ce prélèvement n'est faisable que sur un sujet cadavérique. Et on est obligé en ce moment de conserver le transplant pour le greffer à un sujet qui aura perdu l'usage de sa cornée ou qui aura perdu l'intégrité de sa cornée. Outre la mesure prise par le gouvernement sur le don d'organes, des tissus et des cellules humaines, le docteur Savadogo invite les autorités à porter leur regard sur le don, le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques-là peuvent être prélevées sur le placenta, dans le sang du placenta, dans le sang du cordon ombilical, avant que ce cordon ombilical et que ce placenta-là soit enterré. Nous pouvons prélever ces cellules hématopoïétiques et en faire une greffe au sujet drépanocytaire, parce que cette drépanocytose-là mine et continuera de miner ce continent appelé Afrique. Le Conseil des ministres a aussi adopté la feuille de route qui va permettre d'opérationnaliser ce décret. D'ici le premier semestre 2024, la première greffe rénale doit être réalisée au Burkina Faso, foi du ministre de la Santé. Pour le chirurgien Dr Savadogo, il faut d'abord sensibiliser la population sur la faisabilité et le bien fondé de cette qualité de soins. Il faudrait qu'on sensibilise ce peuple-là et qu'on envoie tout de suite les équipes chirurgicales, les équipes anesthésiques à un recyclage, sinon à une formation, avant que cette greffe ne puisse être réalisable au Burkina Faso. Et à côté de ce recyclage et de cette formation, il faudrait penser à l'équipement du plateau technique de nos hôpitaux, définir des centres de transplantation, des centres de greffe, fédérer toutes les actions, mettre tous les acteurs autour d'une même table de discussion et quand on sera arrivé à ce stade-là, je pense qu'on gagnerait à sensibiliser, chemin faisant, toute la population. Docteur Julien Savadogo a fait d'autres suggestions au gouvernement qui vont permettre aux étudiants en médecine d'avoir une meilleure qualité de formation. Formation d'abord sur le sujet cadavérique, ensuite sur le sujet vivant. Parce qu'à l'état actuel des choses, les étudiants que nous formons dans nos différentes universités, dans nos différentes facultés de médecine, apprennent tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils auront comme acquisition sur le plan médical, sur le sujet vivant. Ils apprennent sur vous et ils apprennent sur moi. C'est ainsi que nous formons nos médecins, c'est ainsi que nous formons nos chirurgiens, toutes spécialités confondues. Au Burkina Faso, on n'a jamais fait, jusqu'à ce jour, aucune dissection des cadavres n'a été faite pour former un chirurgien. Il faut noter que le Conseil des ministres a examiné et validé un second décret relatif à la mise en place d'un comité national de contrôle et d'éthique dans le cadre de la transplantation et des greffes d'organes de tissus humains au Burkina Faso. L'UGEB, entendez, Union Générale des étudiants burkinabés, a clos le 11 août dernier son 31e congrès ordinaire. Plusieurs sujets étaient sur la table des discussions, à savoir les conditions d'études dans les universités publiques du Burkina, le retard plutôt académique et les chevauchements des années académiques. Les militants de l'UGEB ont aussi marqué leur volonté de renforcer la structure afin de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants au Burkina Faso. Anna Gambé et Abdoul Rahim Yenye pour le reportage. Cinq jours durant, les étudiants membres de l'UGEB, Union Générale des étudiants burkinabés, venus des 13 régions du pays, ont réfléchi sur les conditions de vie et de travail des étudiants dans un contexte de crise multidimensionnelle. L'UGEB, dans sa déclaration, peint un tableau sombre de la situation dans les universités publiques du Burkina Faso. Les réformes académiques opérées ces dernières années sont suicidaires selon les congressistes. L'application du système LMD a exacerbé la crise universitaire, caractérisée entre autres par le retard académique, le chevauchement des années et la réduction de la qualité de la formation, selon le secrétaire général de l'UGEB, Hussein Zeba. Pour résorber le retard
des années académiques. L'une des trouvailles des autorités a été l'adoption et l'application du nouveau régime des études qui durcit les conditions de passage. La prise de cette mesure a été suivie de la réduction des volumes horaires qui passent de 12 heures à 8 heures de cours par unité d'enseignement. Cette mesure suicidaire fait la promotion d'un enseignement au rabais quand on sait que le volume horaire par unité d'enseignement avant la mise en œuvre du LMD était de 20 heures. En dépit de cette nouvelle trouvaille, le retard des années académiques ne fait que s'accentuer et touche l'ensemble des universités publiques. Sur le plan social, les conditions de vie des étudiants ne sont point reluisantes selon l'Union du restaurant universitaire à la cité universitaire en passant par l'aide et le prêt Foner. Les congressistes dénoncent selon leurs mots la clochardisation de l'étudiant burkinabé. Les réformes opérées par le Foner, le CEOSPB et le CENU ont davantage durci les conditions d'accès aux œuvres sociales, privant des milliers d'étudiants du bénéfice des allocations, notamment l'aide, le prêt et la bourse. Dans les restaurants universitaires, c'est la poursuite du contingentement des plats servis. Sur le plan des libertés, les tentatives de verrouillage des libertés académiques et démocratiques et syndicales ont pris une certaine proportion inquiétante ces dernières années à travers les violations massives et répétées des franchises universitaires. Face à ces situations décrites, à l'issue du congrès, des décisions ont été prises pour y faire face. Il s'agit de renforcer les structures de l'UGEB afin de continuer la lutte pour exiger l'amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants. Une mission que se fixe le nouveau bureau issu du congrès qui appelle à une solidarité à l'égard des étudiants victimes de crise que vit le pays. La jacinthe d'eau douce, une véritable menace pour les barrages, celui des Tanguins n'y échappe pas. Le désagrément est subi à chaque saison pluvieuse. Une équipe se charge de l'arrachage de la jacinthe d'eau sous la supervision du directeur de l'eau et de l'environnement de l'agence de l'eau du Nakombé. Adama Ibudo nous explique le danger de cette plante sur l'écosystème aquatique, mais aussi sur la santé de l'homme. Alexis Melemnaba, Wenkuni. Originaire du bassin du fleuve Amazon d'Amérique du Sud, la jacinthe d'eau douce est l'une des espèces végétales qui menacent les cours d'eau burkinabé. Du nom scientifique Echornia gracilis, cette plante est perçue comme une espèce végétale dangereuse, selon Dr Adama Ilboudo, directeur de l'eau et de l'environnement de l'agence de l'eau du Nakami. Sa présence dans un milieu constitue une menace pour les écosystèmes aquatiques et la vie humaine. Cette espèce engendre des conséquences sur plusieurs niveaux, selon l'environnementaliste. La biomasse de la jacinthe d'eau, lorsqu'elle entre en décomposition, en milieu anaérobie, en milieu sans oxygène, elle émet du butane, qui est un gaz à effet de serre, donc qui pollue l'atmosphère. Donc, les proportions importantes dans lesquelles la plante se développe lui permettent de constituer une sorte de tapis végétal dense, monospécifique, occupé par elle seule et qui étouffe les autres espèces. Au-delà d'étouffer les autres espèces végétales en les privant d'oxygène et de rayons lumineux, cette espèce végétale menace surtout les barrages de décrue et de disparition, selon Dr Adama Ilboudo. Sa présence entraîne une perte d'eau énorme par l'évapotranspiration qu'elle fait augmenter de 4 à 7% par rapport à la normale. C'est-à-dire qu'elle absorbe de l'eau qu'elle laisse passer par évapotranspiration, qui est multiplié par 7 par rapport à la normale. Et sa présence également est un obstacle à la circulation d'eau et entraîne la sédimentation et provoque les inondations. Les capacités de reproduction, de résistance, de dispersion et de distribution rapide sont autant de caractéristiques biologiques spécifiques que possède l'Echornia gracilis, des spécificités biologiques qui font d'elle une espèce nuisible, selon l'environnementaliste. Elle produit de nombreuses graines dans des capsules. Chaque capsule peut contenir jusqu'à 300 graines. Et ces graines sont capables de rester à temps de dormance pendant 5 à 20 ans. C'est-à-dire que ces graines sont capables de résister à une longue sécheresse. Toutes ces caractéristiques biologiques
font de cette espèce une plante invasive et qui, lorsqu'elle apparaît dans un milieu, mais elle étouffe les autres et elle terrorise les autres espèces. Donc c'est un terrorisme à l'écologie en quelque sorte. Raison pour laquelle une cellule de surveillance permanente a été mise en place par l'agence de l'eau du Nakambe afin de parvenir à un bon niveau de contrôle de la propagation des espèces végétales jugées dangereuses. Ces pêcheurs que vous voyez qui sont en train de travailler ont été formés à la technique d'arrachage de la bassin d'eau. Et les maraîchers également qui sont autour de la retenue d'eau, qui travaillent dans la cuvette, ont été sensibilisés aux bonnes pratiques. Il y a la méthode physique, c'est ce que nous privilégions, c'est-à-dire que par les moyens manuels, nous arrivons à arracher la plante du plan d'eau. Aussi, la méthode chimique que nous n'avons pas encore expérimentée, parce que ça consiste à utiliser des produits chimiques, donc il y a des risques environnementaux. Il y a la méthode biologique aussi, qui consiste à utiliser des prédateurs biologiques. Voilà, pour détruire la plante, on utilise le... Bien que cette espèce végétale a des conséquences nuisibles, elle présente aussi des propriétés bénéfiques pour la population. Elle peut être utilisée pour la fabrication du biogaz, du biocharbon, ainsi que du compost pour amender les sols. Des associations ont été formées aux différentes techniques de fabrication, indique le directeur de l'eau et de l'environnement. Le Niger, pour clore ce 13h, dans la nuit du dimanche 13 août 2023, donc hier, le nouveau pouvoir en place a annoncé, à travers un communiqué lu à la télévision nationale du Niger, son intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison. Le gouvernement nigérien dit avoir réuni à ce jour les preuves pour le poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes. Trahison et attente à la sûreté de l'État, des accusations graves qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Dimanche soir, les militaires au pouvoir ont affirmé avoir réuni les preuves pour poursuivre l'ancien président du Niger devant la justice nationale et internationale. Les autorités nigériennes affirment par exemple que le président déchu aurait eu des échanges avec des complices locaux, mais aussi des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Mohamed Bazoum s'est en effet entretenu plusieurs fois avec des représentants de différents pays comme les États-Unis, ainsi que des membres de son entourage politique. Ces accusations interviennent alors que Mohamed Bazoum est toujours retenu dans sa résidence présidentielle avec son épouse et son fils. Dans plusieurs médias, il a déclaré être un otage, privé d'électricité et avec peu de nourriture. Les militaires, eux, assurent que l'ancien chef de l'État va bien et que son médecin lui rend régulièrement visite. En attendant, le Niger reste sous la menace d'une intervention armée de la CDAO pour libérer Mohamed Bazoum. Une opération militaire à haut risque qui se heurte à de nombreuses critiques et hésitations venant de différents pays africains. C'est la fin de ce 13h que j'ai pris plaisir à présenter. Vous retrouverez ce soir à 20h Linda Kabore pour d'autres informations.